Γιατί ωραία ζωγραφιά, Λαβρεντή. Καταπληκτικές, ε. Κοίτα, τρομερές αφίσες. Ωραίο κόλλο. Τραβάω βίντεο. Δεν πειράζει. Κοίτα, το στήμα. Κοίτα εδώ. Να και το Λαβότσκι. Καταπληκτικά, ε. Τι 40 που δεν ξέρω μπορεί.
Oh, le poudron luciole là. Tu vois le Sky Raider là? Voici la patrouille des océans, voici trois super étendards, deux rafales et un collectionnaire de collection. Bienvenue à bord, messieurs. Thank you.
C'était effectivement, on va dire, que le Blériot 11 pouvait être qualifié de rafale de l'époque, et même une version plus classique. Et donc, dans le ciel, là, vous avez quand même des dominants extraordinaires. Il y a plus moins de nuit, c'est aussi plus tard. C'est donc un Blériot 11 version Pégoule, la version acrobatique du Blériot 11 renforcé. Et plus près de nous, eh bien, Roland Garros, vous en avez entendu parler, faisant de la course automobile et se faisant connaître par ses exploits dans la société, la bonne société parisienne de l'île. Roland Garros avait appris à piloter sur un engin imaginé par un autre pilote du moment et qui est quand même un des grands. 3 ans seulement après que Louis Blériot ait traversé la Manche de 37 km, Garros avait traversé la Méditerranée sur plus de 800 km de la région de Fréjus jusqu'à. De mât, ce qu'on appelait la cabane. Et donc, vous étiez assis l'un derrière l'autre dans 2 cockpits séparés et dans les années 35, par là. Si vous étiez fortuné, si vous aviez une petite propriété du côté de Deauville, par exemple, eh bien, vous pouviez partir en week-end avec votre copine qui, à l'époque, commençait à singer pour abattre d'autres avions. Et ainsi est né le concept de la chasse aérienne, avec la mise au point d'un certain nombre de matériel particulier, comme les mitrailleuses capables de tirer à travers l'hélice. Et la chasse aérienne a évolué tout au long de la Première Guerre mondiale et elle a fait naître un concept humain, celui-là, le concept du pilote de chasse, le concept de l'as de la chasse, parce que certains pilotes ont commencé à démontrer en vol des qualités extraordinaires sur le plan à la fois de la maîtrise du pilotage, mais également sur leur capacité à tirer juste, à tirer précis. Et chez nous, côté français, côté allié, était considéré comme as. Celui qui n'avait pas de psychisme, il s'était fabriqué une devise, très rapidement il a commencé à
abattre les avions allemands, il en a vraiment faire face. Et finalement, vers la fin de la guerre, il perd un bonjour comme britannique. Le Baron Rouge qui finira par être abattu par un pilote britannique d'ailleurs. Et la structure quand il ouvre ensuite a été repris. Vous voyez, à la France, il y a des gens qui aiment les avions aussi.
Il y en a même beaucoup plus qu'on le croit. Il y en a même beaucoup plus qu'un certain mandat. Eh bien, regardez la présentation du P-51 par Frédéric Akari. Même les Anglais disent que depuis Rihanna, ils n'ont jamais vu aussi beau. Vas-y, Fred. Fred a ceci de partir. Privée au monde d'avions de combat de la dernière guerre, il l'a baptisé Fighter Collection. Pas peur, hein. Voici, mesdames et messieurs, Stephen Gray. Sir Stephen Gray. Et ceci est la dernière présentation en vol de Steve Gray dans le cadre d'un meeting aérien. Steve a décidé qu'à 76 ans, il fallait être raisonnable, que faire une présentation dans un bearcat en tirant à 76 ans en tirant 6G, 6G, 7G, et ça pendant 10 minutes non-stop, qu'à un certain moment, il fallait laisser parler la raison et donc dire on s'en va sur quelques derniers beaux vols. Voici donc aujourd'hui et demain les deux dernières présentations en vol d'un des plus grands aviateurs, et je parle du cœur, un des plus grands aviateurs européens de ces dernières décennies. Un type qui a consacré des études d'architecte, au départ c'est un architecte. Il a lui-même restauré cette fabuleuse commanderie qui est au sommet d'un piton, enfin c'est un endroit de rêve. Steve ne fait jamais les choses à moitié, quoi qu'il entreprenne. Quand il s'agit de soigner une maladie normalement terminale, Steve fait ça comme s'il allait faire la guerre. Et ben voilà la dernière présentation en vol de Steve Gray avec son Bearcat. La Fighter Collection, c'est une collection unique au monde. On est capable de yo-yo. Avec des altérations d'axe. C'est du 8 cubain décliné à l'infini. Steve va donc ramener le Bearcat. C'est son avant-dernier vol en meeting. Voici donc, je l'appelle Sir, Sir Stephen Gray, avec le Bearcat. Il va passer devant nous et pendant qu'il roulera devant nous, je vous demanderai bien sûr ce T28 et ce Sky Raider, eux, ont bel et bien participé. Monsieur Marchasson, marquis de son surnom. Et dans son aile, il a son successeur, le Hunter, le premier jet supersonique à équiper la Royal Air Force et plein d'armées de l'air dans le monde. Le plus beau jet de l'histoire, selon moi, encore une fois. Un des avions les plus précieux et les plus phénoménaux à piloter qui soit. Et il est piloté
Hunter, qui est un avion de collection. Et Eric représente d'ailleurs ces pilotes suisses dont il faut dire qu'ils sont des magiciens. On a un peu tendance à penser, ah bah ouais, les Suisses font du chocolat, puis font de l'argent. Mais les Suisses font aussi quelques-uns des plus grands et des plus gros aviateurs du monde. Et cette patrouille dissymétrique, elle est absolument phénoménale. En patrouille, un avion à hélice, certes un avion à haute performance qui va vite, bien piloté, ça, c'est un miracle. Alors si on a monté cette patrouille, c'est pour rendre un hommage à un des voiles. Et donc, Sidney Cam avait dessiné un certain nombre de biplans. Sidney Cam avait dessiné un certain nombre de biplans de chasse et de bombardement avant la guerre. Et Nicolas, à 1100 à l'heure. Jamais monté dans un Hunter, tu arrives dans un tout petit endroit tout peint en noir. Ça ressemble un peu à l'intérieur des appareils photo Leica, là, tellement c'est trop chaud. Et puis ça roule, et quand ça roule, vous dites, mais c'est une Rolls. Ça roule tout, c'est incroyable. Et puis